épisode 1, les abeilles de Mafat. Un an après, le retour. On retourne ouvrir les colonies qu'on avait ouvertes il y a un an, à Grand Place. Bien sûr, c'est pas accessible en voiture, donc faut porter le matos. Et puis j'ai des porteurs devant là. Après 2 mois sans sport, il y a tout ça là. Pas le droit de porter, c'est bon. Ça fait du bien. Donc on va rouvrir ça. Les porteurs, ils sont là. Ciao! On va rouvrir ça. Aujourd'hui, enfin pas cet après-midi. Cet après-midi, on va peut-être préparer des trucs. Et puis demain, ouverture. Il y a aussi concert. Concert de Mlle Prune, qui a monté sa guitare exprès et qui va nous faire la joie de nous faire un petit concert ce soir au gîte Le Pavillon à Grand Place. Léo, c'est gratuit. Quand vous verrez ça, ce sera trop tard, ce sera déjà passé. Ah ouais. Tant pis. En même temps, faut suivre. Hein. C'est comme ça. Voilà, exprès, on voulait pas trop communiquer parce que sinon ça allait être problématique. Donc voilà, on va filmer jusqu'au concert. Ça sera le premier épisode. Demain, ça sera l'ouverture. Donc ça sera le deuxième épisode. Les ruches n'ont pas été ouvertes pendant un an. Enfin, c'est nous qui l'avons fait. Donc voilà, ça va être surprise. Surtout qu'on est sur des souches essaimeuses à gogo. Donc. On est sur la 3e ou 4e génération de rennes. On espère voilà. Ne pas trouver de trucs là. De varroa. Voilà, alors le petit coloptère des ruches, on va croiser les doigts, ça serait une catastrophe. Ce serait con quand même que ce soit nous qui mettons le nez dessus. Et puis voilà, donc ça sera le deuxième épisode. Et puis normalement, si tout se passe bien, un peu d'extraction dans l'épisode 3. Et puis il y aura la redescente pour retrouver le 4x4 de Monsieur Le Gros qui nous attend en bas à la rivière, tout là-bas. Et on n'est pas fatigué. Allez, go! Mm-hmm.